Salut à toutes et à tous, c'est Epsilon, je suis en compagnie de Yota. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de notre Let's Play sur Halo. Ouais vas-y je t'en prie, commence à lancer le jeu. On reprend... Oui. La dernière fois vous avez eu un épisode plutôt court. Tout à fait. Une petite quinzaine de minutes, mais comme ça on peut reprendre du début de la mission et pas s'arrêter comme la dernière fois en plein milieu. Donc on va essayer quand même de se... Voilà, oui, de se bouger un peu sur les missions, histoire que qu'on fasse une mission d'épisode finalement, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous et c'est aussi ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est ça. Mais bon, rien à vous promettre. La dernière transmission du vaisseau du capitaine venait de ce secteur il y a plus de 12 heures. On a été incapable de rétablir le contact avec le capitaine ou avec son équipe. C'est pas grave, on gère. Je viendrai vous chercher. Sur ce map, j'arrive toujours à me perdre. Non, essayez pas de me tuer. Non, je vais essayer. Bonne chance, chef. Il était au milieu. Allez, faut monter sur l'arbre. D'accord. Hop là, c'est bon. Une droïde, non ? Ouais. Une petite droïde. Qui est-ce qui est ? Bonjour ! Je vais me laisser faire, vous savez quoi, les amis ? Je fais des boules ! Vous allez tous mourir ! Bruiner mon gars. Ouais, j'ai une. Se réveiller là, Epsilon. Ouais, il était plus loin. Oh les bâtards. C'est bête parce que je suis mieux t'aider quoi. C'est pour ça que. Ouais, c'est moi ça au fond, je tire pas dessus quoi. Ah oui, non, c'est pas ça. Une bastose un peu. Ah, mais toi, t'as vu comment il tient, non ? Sur un 5 minutes de temps. Non, c'est ça, non, ça. Bon, je crois qu'ils sont tous morts, on peut y aller. Probablement. Parce que là... Enfin, voilà, quoi. Ouais, c'est un épisode qui commence à peu près comme tous les épisodes de Halo. On bourrine, sec. Allez, à plus, Epsilon ! C'est bon, je vais pas survivre. Hop comme ça, tout de suite, tout de suite, hein. Et voilà. Tu méritais un grand coup de latte dans la gueule. Non, je ne mériterais pas ça. C'était quoi ça? Je me suis embrouillé dans les paroles. Un petit peu, oui. Pourquoi je ne trouve pas de gens? Les amis. Attention grenade. Putain. Vas-y. Aucune idée. Ça va. Non, ça m'a rendu que vous sachiez comment, parce que moi je sais pas. Oh putain, non c'est bon. Putain, quoi. Frère, payé. Par où? Je sais jamais. C'est cette mission, je me perds tout le temps. Mais moi, je risque pas de l'aider. En commençant les orientations et le fait que j'ai peut-être joué une fois cette mission, mais maximum. Oh, un pont de lumière. T'as vu, c'est magique. Ouais, super, c'est de là d'où on vient. T'as vu, c'est quand même magique. Enfin, je crois que c'est là où on vient. Bah oui, oui, c'est de ce portable. Oui, hein. Oui, il y a des morts par terre, donc ça vient de là. Oui, c'est ça. Ah, par là. Reste touché, s'il te plaît, je ne voulais pas te faire plus de balles. Ça a l'air à
amical comme personne. Ouais. Si, arrête, il avait des pics. Il peut être sympa. Ouais. J'ai un doute là-dessus quand même. Hé hey. Copain, reviens. Si. La gangbang est gentiment, lui. Je crois que c'est là, non? Ouais, ouais, vas-y, vas-y. À moins qu'on vienne de là. Non, non, clairement. Y'a pas de cadavre par terre? Non. Oh, des tourelles. Oh oui. Moi, je défonce la tourelle. Je détruis ta tourelle avec la mienne. Ah ah ah. Wow. Le fun. C'est génial. C'est vrai qu'il faut aller. Salut. Approchez pas. Je ne veux pas de virus de ces choses. Pourquoi tu me tires dessus? Je vais vous faire sauter la cervelle. Non, c'est moi qui t'ai fait sauter la cervelle. Non mais sérieux, il se prend pour qui lui? Je vais même pas tirer dessus avant. Ouais. Je te jure, c'est lui qui m'a tiré dessus. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. Je suis une victime moi dans ce cas. Oh. Non, c'est lui qui a allongé par terre quand même. Mais non, je te signale. Bah, il va tirer dessus. Je me suis défendu moi. J'ai tiré une balle dans la tête. Il m'a dit je vais vous tirer une balle à la tête. Tu paries? Boum, une bastos. Et voilà, on n'en parle plus. Toi tu défends de façon Pistorius là. Pistorius. Ouais, le coureur sud-africain là, tu sais, qui a tiré sur sa femme à travers la porte de la salle de bain. C'est pas grave. Moi pas connaître. Dommage, c'est rigolo l'histoire. C'est bien, je suis jamais allé aussi loin dans cette émission en aussi peu de temps. Comme quoi, fais des efforts hein, quand on vous l'a dit. Je crois que là on va avoir droit à une magnifique petite cinématique. Bah bon. T'as vu, t'as disparu. Ça se trouve, c'est toi qui as disparu. Non, je reconnais les crosses sur mon arme. Ah, c'est là qu'il apparaît. Le terrible. Comment? Non, non. Le flood. Jackie, réveille-toi. Tocard. Comment il le balance comme un sac à patates. Et puis surtout, comment il le tient, mais d'une seule main, sans aucun problème, tu sais. Ah, à l'académie, on nous apprend à jamais lâcher son arme. C'est son casque. Eh merde, c'est pas Jackie quoi. Putain. T'es long, Cortana. Pourquoi toujours nous infliger ce sermon, sergent? Attention à ce que vous dites. Ce sermon est votre histoire. Cela devrait vous rappeler pourquoi nous nous battons. Hey, si les Covenants veulent effacer cette partie précise de mon histoire, ça va. Ah, Johnson dans le 1. Oui, plutôt l'histoire que nous. Je sais qu'il est demandez-leur gentiment la prochaine fois, Vicenti. Je suis sûr qu'ils seront pas dans envie le 1, de vos services. Oui, je crois qu'il y a une incohérence à ce niveau-là. Jésus. Non, après le 3, il revient pas, il s'est évité par... je vais pas dire. Mais spoil pas 3 jeux à l'avance. Alors en fait, ce qui va se passer... Restez tout près, Jenkins. Pardon, je me suis dispersé. J'ai vu une mouche. Dispersé. Mendoza, avancez. Vous auriez dû voir le regard qui m'a lancé. Non, arrête, s'il te plaît, tes blagues pour... Attendez le capitaine et ses gars ici, puis suivez-les. Chef. Ok, on y va. Je crois qu'il avait dit attendez. Oui, mais attendez pas longtemps. Ne crève pas, c'est pas la raison. T'as sérieux, c'est un étrange qu'elle a, Cortana. Tenez, regardez. Quelque chose lui a ouvert la poitrine pour s'y faufiler. Qu'est-ce que c'est? Une incision plasmique? Peut-être, je sais pas. Il a peut-être eu un accident. Vous savez, tir fratricide, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe, sergent? On dirait une patrouille de Covenants, unité d'élite, les coriaces. Il est tranquille, lui, hein? Ouais, franchement. Très joli. Limite, il arrive là, costard cravate, les mecs. Bon alors, on investit dans quoi? Faire connaissance. Hein? C'est ça. C'est quoi aujourd'hui? Attention,
Épisode dégueulasse. Non, y a rien de dégueulasse. Bien, dans l'eau. Ouvrons cette porte. Je vais essayer, chef. Mais on dirait que les Covenants l'ont bien verrouillé. Débrouillez-vous. Comme c'est bizarre. Oui, chef. Kiz, tu es un boulet. On peut pas se douter, c'est le premier halo qu'il voit. On fonce, les gars. Allez. Et attention. C'est quoi ce délire? Il y en a plein les murs. Rien, justement. Je ne le sens pas, ce truc. Mais casse-toi. Vous avez toujours de mauvais pressentiments. Capitaine, sergent, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe, soldat? Nous sommes en contact. Il y en a plein, mais ils ne sont pas Covenants. On est complètement dépassés. Non, non. Caporal, vous me recevez? Non, il est mort. Mendoza, filez sur la position du deuxième groupe et tâchez de voir ce qui se passe là-bas. Pas le moment de discuter, soldat. Je vous ai donné un ordre. Mais sergent, écoutez. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient, Mendoza? Je... Là, regardez. Les petits machins, ils sont tout défoncés. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Faites comme leur fête. Sergent, on est cerné. Bon sang, Jenkins, ouvrez le feu. Tranquille, quoi. J'aime bien le ouvrir le feu, tu sais, comme s'il n'y avait pas les soldats qui faisaient 10 minutes. Revenez ici, soldat. C'est un ordre. Jenkins. Ah, je crois que Jenkins s'est fait bouffer. Ah, mais non, plus. Fermez les archives. Vite! Il faut se battre! Oui, d'accord, mais bon. Il nous apprend rien là. Bon. Je me rappelle pas, on peut se casser ou faut absolument attendre que les machins ils arrivent? Ah, faut absolument attendre que les machins ils arrivent. D'ailleurs, ils sont arrivés. Il faut regarder son écran, Raphaël. De toute façon, c'est pareil, c'est le même combat. Oh putain! Regardez son écran, hein! Je sais, c'est pas très bad. En fait, c'est pas que je suis exceptionnel, mais quand même. Et modeste. Et modeste en plus! Voilà, comme tu sais, c'est super rapide. Derrière toi. Si y'en avait pas plus ça. Hé, hey, salut, ça va? Arrête de les embêter. Ils embêtent pas, je joue avec. Tu arrêtes de les embêter. Arrête! Mais oh, possible ça, aucun respect. D'accord, merci. Bon! Ah, ils sont là. Oh, hâte! Un tir dans la tête, c'est ici. Ah. Fait un tir dans le machin qui dépasse de leur tête. Ils ont grossièrement leur tête. J'ai l'impression que les armes humaines étaient plus efficaces contre eux que les autres armes. Ah ouais? Ouais. Oh putain, merde. D'accord. Erreur de calcul, très bien. Bon, on se casse de là. Bonjour! Dis-moi, vous êtes au milieu. Tu peux bien te toucher, s'il te plaît? Non, je suis pas avec toi. C'est mon monsieur. Ah, tu me couvrais de loin quand même, toi. Oh putain! Non mais j'ai aussi suivi. Oui, j'ai remarqué. Merde! Ouais, j'avance.
été désactivé. Bon, je suis trop fort. Grenade. Oh ma gueule. Reste à terre, gros. Ouais. Tu restes à terre. C'est possible, ça. C'est quoi ces jeunes là? C'était pas ce que je voulais. Je respecte rien. On dirait moi. Franchement. Exactement. Waouh. Il s'est passé des choses ici. Tu t'es fait éclater la gueule, toi. Allez vers la lumière, elle vous tuera et vous ferez avoir le chemin. Oh putain, il serait. Putain, il serait tous les deux en fait. Il y a des petites saloperies partout. Bordel! Alors, ensuite, c'est par où? Alors que je me souvienne bien. Je me souviens pas bien. On va par là? Ok, il est là. Tranquillement. Ah, ça marche pas. Le trois derrière le dos ne marche pas. D'accord. Ça ne le one shot pas. Ça ne lui fait également aucun dégât. Arrête de passer devant moi, bordel. Moi? Oui. Ah, ah, je. Hein? Voilà. Ah ouais. Je me respecte. C'est violent quand même. Je ouais. Jeu 1. Voilà. Ouais, je joue 1. Franchement, ouais. Tu me dégoûtes. T'as un peu d'âge. Bah oui, c'est mieux. Voilà, t'as plus de foot d'âge. Je me rappelle plus où qu'elle est la sortie. C'est non. Comme c'est n'est pas. Il est où? Bizarre, mais je me rappelais pas. Je pas. Coucou. Ah là. Ah putain, il est en trou. Mais ouais. Ça y est. Il téléporte? Ouais, certainement. Je pense que d'abord je vais me battre un petit peu avec des petits copains. Ah, les petits copains. Bon, non, parce que je. Est-ce que je viens de faire un tour entier pour rien? Comme. La réponse est oui. Oui, il faut monter là-dessus. Ah, d'accord. Et bon, bah, dans ce cas, c'est bon, je vais te retrouver. N'aie crainte, j'arrive. Oh, mais tu fais bien ce que tu veux, ma petite dame. Pourquoi il y a plein de gens autour de moi, ils font des câlins. Heureusement que j'étais là. Ah putain le bâtard. Oui. Victoire. Ah là 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 là. Attention. C'est pas encore fini, soldat. Continue à te battre. Jusqu'à la mort. Aïe. La balle, balle, balle. D'ailleurs, ils étaient gentils, ils n'en avaient pas. Gentil. Ouais, c'est peut-être de ne pas avoir d'armes. C'est gentil, mais. T'as l'air moins méchant en fait. C'est des préjugés, tout ça, tu sais. Non, non, pas vraiment. Voilà. Par où la sortie? Oh, je suis paumé. Il y a un orbe rouge là. Ah, vas-y, prends-le. C'est bien l'orbe rouge. J'essaye de le prendre. Ah, c'est bon. Non, c'est par là, c'est pas bon. Par là. Oh. Par là, par là. Oh, ils m'ont désactivé le pont. C'est bien, monsieur. Ah, d'accord. J'étais pas sur les. Ouais, c'est mort, je suis un lâche, je ne me bats même pas. Ah putain! Oh! Mais où?
désagréable impression de revenir sur mes pas. On a fait la faire, non? Oui. Bon, c'est bien, très bien. Voilà. On va pas le faire bien. Non. Oh, je suis tombé. Attends, le Needler contre le foot, ça doit être terrible. Bon, on recommence. Où est-ce que... Ça peut être sûr, c'est cool. Par là... Je peux te suivre par un machin... Ouais, c'est cool. J'étais passé. Là. Voilà, j'ai perdu. Attends. Regarde ton radar, bordel. Non, mais je sais où t'es sur le radar, c'est pas ça. C'est quand même par où t'es passé. Ah, Du coup, j'ai trouvé. Putain! Non, je rage pas. Mais reste couché, toi! Commence pas à te briser, mais... Si t'es assez rapide, il t'attend pas, il va te... Ouais, il te loupe, en fait. Ouais. Oh, putain! Non! T'es tombé? Ouais. Je vais me casser les vitres, mais pas trop. T'as fait le pas? Bah, je suis trop de peur. Pas de temps là. J'ai l'impression d'avoir les balles infinies sur ce pistolet, c'est marrant. Ah ouais. Oh putain, non, bah, je suis tombé aussi. Ah, reste à terre. Une porte, une porte par là. Bonne contrôle, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Ouais. Parce que tout avant, on n'y était pas. Oh putain. Qu'est-ce que tu fous, toi? Il m'a TP. Oh, t'arrêtes tes conneries, hein. Bon, bah cet épisode est un petit peu plus éternisé que ce qu'on espérait. Ouais, mais en même temps, C'est long, quoi. Dommage que ça passe bien. Bâtard. Merde, comment ça s'appelle maintenant? Nibbler. Voilà, le Nibbler contre le food. Ça pourrait être terrible. Génial, mais... Pourquoi tu me laves, monsieur? J'ai pas été méchant avec toi. Il a trouvé raciste. Ah non. C'est con pour lui, franchement. C'est con pour lui. Alors, terminé. Mais tire pas dans les vitres, après je tombe. Monsieur, franchement! Mais c'est là-bas ici, vous voyez? Voilà! Ça permettra un poste d'essayer. Et toi aussi! Et toi aussi! Je suis parfaitement calme! Non, tu veux venir ?
apparemment. Toi aussi. Mais pourquoi elle a senti? Je comprends rien. Bon. Allez. Ici Echo 419. Chef, on va rusher, je pense, là. Probablement. J'ai perdu votre signal quand vous avez disparu dans la structure. Ah, ouais, moi aussi, je me suis perdu, et alors? Je détecte des mouvements de toutes parts. Ça fait des heures qu'on est là. Par où là? On est perdu. Kazos. Alors, c'est à ce moment-là que je me fais recomper dans la map. Très bien, parfait. Parce que là, il se fait recouvrir. C'est ça qui est le mieux. À mon avis, comment tu suis les ennemis? Pas être trop loin. Lui, il continue par là, parce que c'est par là. Ça, t'es pas mort avec le bâton. Tricheur. Raciste. Quoi? On est à peu près cerné. Si c'est que à peu près, ça va. On voit des lumières rouges. J'étais pas loin, hein. Ah, c'est là qu'il y a... 343 qui disparaît. En même temps, ouais, voilà, si vous voyez pas... Je pense que c'est juste sur la source. Ouais, ça va pas être compliqué. Et on n'est pas mort cette fois. Eh non, ouais, non, franchement. On s'est perdu une dizaine de fois. C'est quoi ça, en fait? Ça, c'est les... C'est les sentinelles. Arrête d'embêter tout le monde. Non, bah, personne, moi. Il est où? Il est encore là, C'est Guilty Spark. Voilà. Oui. Il nous a touché. Bonjour, je suis le moniteur de l'installation 04. Je suis 343 Guilty Spark. Quelqu'un a libéré le Flutes. Je dois l'empêcher de quitter cette installation. Mais j'ai besoin de votre aide. Venez, par ici. Chef, j'ai perdu votre signal, où êtes-vous? Chef, chef! Et donc du coup, tous les mecs qui nous suivaient, ils sont morts. On les a laissés comme des bouses. Probablement. C'est bon, ça? Mais on est des lâches, c'est génial! Un petit peu, ouais. Ah, c'est un niveau la bibliothèque? Ouais. D'accord. Bon, bah. On va s'arrêter après la cinématique. Comme d'hab. Comme d'hab. Index. Il va falloir qu'on aille le chercher. Mais normalement, il y a un peu comme on dit une armée de foods. Reste un peu ça. Eh bien les amis, top. Vous n'en verrez pas plus. Voilà. Suspense. Donc on se dit à la prochaine pour le 8e épisode de Halo. Absolument. Donc moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut.